بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله متخشر خير متخشر Le sujet de notre modeste rappel a pour titre Secours ton frère, qu'il soit oppresseur ou victime. Secours ton frère, porte-lui assistance, qu'il soit oppresseur, fautif ou... Victime. Et ce rappel, ce très modeste rappel, est tiré des explications des deux grands savants, le Sheikh Salih al Fauzan et l'immense savant la montagne, Abdul Aziz ibn Baz, Rahimahullahu Ta'ala. Je me suis appuyé sur leur explication du hadith que nous allons citer dans quelques instants pour cette traduction que j'ai agrémentée des paroles de nos pieux prédécesseurs. Serviteur d'Allah, An Anas radiallahu anh, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما.

Sallallahu alayhi wa sallam, ce pieux et noble compagnon, le fils de la pieuse et noble Um Sulaim, Anas ibn Malik, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, le prophète Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam, dire, secours ton frère, Viens au secours de ton frère, qu'il soit oppresseur ou victime. Lorsqu'il a prononcé cette parole, ses compagnons se sont étonnés. Ils n'ont pas saisi immédiatement la portée des paroles du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa C'est pour cela qu'ils ont dit La personne qui est victime, la personne qui subit une injustice, oui, nous comprenons que nous devons lui porter assistance. Nous comprenons que nous devons venir à son secours. Mais comment pouvons-nous soutenir la personne injuste Comment pouvons-nous secourir le fautif Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tahrozo, tu le retiens par sa main. Tu le retiens par sa main. Tu prends sa main. Tu l'empêches de commettre cette chose. Et ce hadith est un hadith authentique qui a été rapporté par l'Imam Al-Bukhari dans son recueil de hadith authentique. Mes très chers frères, mes très chers sœurs. La personne qui subit une injustice, la personne qui est victime d'une oppression, le souffre douleur, eh bien, on se doit de lui porter assistance. On se doit de l'aider selon nos capacités. Si en prononçant une parole ou en allant trouver un tel ou un tel, eh bien, cette injustice va cesser, on se doit de le faire. Si par nos actes, selon nos capacités physiques ou notre argent ou quoi que ce soit qu'on a en possession parmi les choses licites et convenables, on parvient à stopper cette injustice, eh bien, on se doit de le faire. On se doit de venir au secours de notre frère ou de notre soeur. On se doit de lui porter assistance. On se doit d'être là pour lui. On ne l'abandonne pas à son triste sort. On ne le laisse pas se débrouiller tout seul, alors qu'on sait que telle ou telle personne est faible et qu'elle est victime, qu'elle est victime d'une oppression, d'une injustice. Non, jamais. On se doit, selon nos capacités, tout en restant dans le domaine du convenable, du licite, de lui porter assistance. Ceci est une chose claire en islam. On n'abandonne pas nos frères ou nos sœurs. On ne les laisse pas tomber. On ne les laisse pas se débrouiller tout seuls alors qu'on est en capacité de leur venir en aide. Et Allah qu'il soit glorifié et exalté nous dit dans la sourate Taouba, verset 71, il nous dit il nous dit dans le sens rapproché de sa parole divine, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Les croyants et les croyantes sont alliés. Les uns des les uns des autres. Ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Les croyants et les croyantes, les musulmans et les musulmanes sont alliés les uns des autres. Ils s'exhortent mutuellement. Ils se conseillent, ils s'appellent au bien. Tout comme ils s'interdisent mutuellement. Ils se conseillent, ils s'exhortent, ils s'appellent à délaisser le mal, les péchés, les mauvaises choses. Les croyants sont alliés les uns des autres. Ils ne se laissent pas tomber, ils ne s'abandonnent pas. Il ne laisse pas l'un des leurs aux griffes d'un oppresseur. Tel n'est pas le comportement des croyants et des croyantes. Et bien entendu, ce soutien, ce secours que l'on va apporter à notre frère ou à notre sœur. C'est dans le licite, dans le convenable. Ce n'est pas en faisant n'importe quoi. Et parmi les types d'injustices dont sont victimes ou dont peuvent être victimes nos frères, ou l'un de nos frères, ou l'une de nos sœurs, il y a ce qu'on appelle... La médisance. Si tu entends, serviteur d'Allah, qu'une personne est en train de médire au sujet d'un croyant ou d'une croyante. Si tu entends, serviteur d'Allah, qu'une personne est en train de traîner dans la boue l'honneur de ton frère ou de ta sœur, tu te dois de le défendre. Tu te dois de défendre ce frère ou cette sœur. Tu ne restes pas là à écouter ces choses sans rien dire. Si cela relève de tes capacités, tu te dois de prendre sa défense et de blâmer la personne qui est en train de faire cela. Et ceci fait partie de l'assistance, du secours. Que tu vas apporter à ton frère ou à ta sœur. En faisant cela, dans la limite du convenable et du licite, en faisant cela, tu mets en application l'ordre du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Unsur porte secours à ton frère. ولمسجد الله صلى الله عليه وسلم يديت ايضا من رد عن ارد اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه الترمذي وقال حديث حسن لمسجد الله صلى الله عليه وسلم ادي كيكونك Défends l'honneur de son frère, Allah repoussera de son visage, au jour de la résurrection, le feu de l'enfer. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Al-Tirmidhi, qui le considère comme étant hassan, comme étant fiable, comme étant bon. Défends l'honneur de ton frère. Défends l'honneur de ta sœur dans le convenable en restant dans le licite et Allah repoussera de ton visage le feu de l'enfer au jour de la résurrection. Également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit "Man nasara bi ghaib"

Dans cette ville ici-bas et dans celle de l'au-delà. Et ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi et il a été considéré comme étant fiable, bon, par l'imam al-Albani, Rahimahum Allah. Défends ton frère ou ta sœur en son absence, en restant bien entendu dans les limites du convenable et du licite, défends l'honneur de ton frère ou l'honneur de ta sœur et Allah sera à tes côtés dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Tel est le sens de la parole du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa Serviteur d'Allah le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith qui nous intéresse ou mazlouman. Viens au secours de ton frère, qu'il soit injuste ou victime. La personne qui est victime, la personne qui subit une oppression, une injustice, venir à son secours, lui porter assistance, est quelque chose de clair. C'est quelque chose de limpide. Ça coule de source. On l'épaule, on l'aide, selon nos capacités, pour repousser de lui cette injustice, cette oppression qu'il subit. Mais comment peut-on secourir Comment peut-on venir au secours, aider, soutenir la personne fautive, l'oppresseur, l'injuste Comment peut-on lui venir en aide. On lui vient en aide, en vérité, comme l'a expliqué le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On lui vient en aide, on vient à son secours, en retenant sa main, en l'empêchant de faire le mal. On sait. Qu'un tel s'apprête à frapper telle ou telle personne, tu sais que ton frère s'apprête à voler telle ou telle personne, que vas-tu faire? Tu ne vas rien dire, tu ne vas pas essayer de l'empêcher selon tes capacités, par ta langue ou par ta main, tu vas laisser faire cette mauvaise chose, cette injustice? Non, jamais. Tu te dois de l'épauler, tu te dois de venir à son secours, tu te dois de l'assister en retenant sa main, en l'empêchant de faire ce mal. Tu te dois d'être un obstacle entre lui et cette mauvaise chose qu'il s'apprête à commettre. Tu le retiens, tu l'empêches, tu le conseilles, tu fermes la porte à clé selon tes capacités, tout en restant dans les limites du convenable et du licite. Et en faisant cela, tu lui auras porté assistance. En faisant cela, tu l'auras secouru. Tu l'auras secouru face à qui Face à quoi Tu l'auras secouru face à ses mauvais penchants. Tu l'auras secouru face aux insufflations du diable, aux embrouillements du diable. Tu l'auras aidé contre le diable et contre ses propres mauvais penchants. Comme a dit le messager d'Allah alayhi wa sallam tu retiens sa main. Tu ne vas pas l'encourager. Tu sais que ton frère s'apprête à vendre de la drogue ou il te demande de cacher cette drogue. Non, jamais. Tu sais qu'il s'apprête à commettre un braquage, à agresser des jeunes femmes ou autres, parmi les injustices flagrantes et manifestes. Tu sais qu'il s'apprête à voler. Tu ne vas rien dire. Tu vas l'encourager en cela. Tu vas le soutenir en cela. Tu vas rigoler avec lui devant ces choses-là. Jamais. Jamais. Le croyant, il soutient son frère ou sa sœur injuste en l'empêchant de commettre le mal, en l'empêchant de commettre tel ou tel crime. Et comme a dit l'imam Al-Bayhaqi, Rahimahullah, dans le livre Amdatul Kari, il a dit Il a dit, et ceci, car l'injuste, l'oppresseur, eh bien, il est lui-même victime. Tu secours l'injuste tu secours l'oppresseur car lui-même, c'est une victime. Il est victime de ses mauvais penchants. Il est victime du diable qui le pousse ou qui l'incite à faire ce mal, ces mauvaises choses. Serviteur d'Allah, Allah, Allah qu'il soit glorifié. Exalte nous dit dans le noble Coran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah il nous dit dans la sourate آل imran verset 110 s'adressant aux musulmans et aux musulmanes il nous dit vous êtes la meilleure des communautés ayant apparu parmi les gens, ayant apparu sur terre. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. C'est-à-dire, vous vous conseillez les uns les autres, vous vous exhortez, et vous exhortez les autres, et vous conseillez les autres. À agir dans le bien et vous vous interdisez le mal. Vous vous exhortez et vous exhortez les autres à délaisser le mal, les péchés. Et vous croyez en Allah. Et comme l'explique l'imam al Rahimahullah dans son explication de ce verset, il nous dit. Et vous croyez en Allah, c'est-à-dire, et vous croyez en tout ce dont Allah vous a ordonné de croire. Et vous croyez en tout ce dont Allah vous a ordonné de croire. Et vous mettez en application tout ce qu'il vous a ordonné de faire selon vos capacités. Et l'un de nos pieux prédécesseurs, et il s'agit de Mujahid, l'un des célèbres interprétateurs des versets du noble Coran, a dit khayra ummatin", vous êtes la meilleure des communautés à la si vous mettez en application cette condition. Si vous mettez en application cette condition. Si vous vous ordonnez les uns les autres le bien, vous vous conseillez d'agir dans le bien, et vous conseillez les autres d'agir dans le bien, si vous vous interdisez le mal, et vous l'interdisez aux autres, et si vous croyez en Allah Si l'une de ces choses est manquante, alors ce verset ne s'applique pas à nous. ou Viens au secours de ton frère secours ton frère porte-lui assistance. Qu'il soit oppresseur, fautif ou victime. L'injuste, tu viens à son secours en l'empêchant de faire le mal, en retenant sa main, comme a dit le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Et la victime de l'injustice, tu viens à son secours en repoussant de lui

واتوب اليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين